Durant la seconde moitié du XXe siècle, le philosophe allemand Günther Anders avait déclaré, stupéfié par l'entrée de l'humanité dans l'âge atomique, Hiroshima est partout. Aujourd'hui, en ce début de XXIe siècle, l'ombre de la menace atomique a cédé la place à un autre âge, l'âge écologique, que certains ont qualifié d'anthropocène. L'Anthropocène est censé désigner une nouvelle et inédite période dans la très très longue histoire de la planète Terre, celle où les activités humaines et sociales se sont imposées comme une nouvelle force géologique à part entière, modifiant les équilibres de la planète et de sa biosphère. L'Anthropocène serait aujourd'hui partout, dans le dérèglement climatique, dans l'effondrement de la biodiversité, dans l'extinction massive des espèces, dans l'érosion et l'artificialisation des sols, dans la pression démographique à l'échelle globale. Et de fait, l'Anthropocène est partout. Il touche à nos gestes les plus quotidiens, à nos modes de production et de consommation, à nos manières d'envisager les rapports entre les vivants et les non-vivants, les vivants et les vivants, les humains et les non-humains. Et voire même à nos modes d'organisation politique. Donc l'Anthropocène serait partout et ça soulève toute une série de questions, et des questions notamment philosophiques, dont il sera question dans ce cycle de conférences. Alors tout d'abord, est-ce que l'Anthropocène, qui est censé désigner donc l'âge des humains, est-ce que ce sont bien tous les humains indistinctement qui ont leur part de responsabilité dans la crise environnementale aujourd'hui? Est-ce que l'on peut faire aussi facilement, est-ce que l'on peut mettre aussi facilement entre parenthèses la diversité sociale et culturelle qu'abrite le concept d'humanité? Autre question qui nous occupera durant ce cycle de conférences, est-ce que l'anthropisation de la planète signe la fin définitive de la nature, ou seulement de la nature telle que nous l'avons connue jusqu'à présent? Est-ce que de manière plus générale, l'Anthropocène ne nous invite-t-il pas à revoir de fond en comble fondamentalement les conceptions de la politique, de l'histoire, de la nature que nous avons héritées de notre modernité occidentale? Donc voilà les questions que je voudrais aborder avec vous durant ce cycle de conférences. Voici quelques-unes des questions qu'on abordera durant ce cycle. Première question qui traitera de la datation de l'Anthropocène, de quand dater cette nouvelle période dans l'histoire de la Terre. Et on verra que les différentes propositions proposent donc différents récits qui chacun pose des questions. Autre question qui nous intéressera, ce sera celui de savoir qui est exactement l'humain derrière l'âge des humains. Et là aussi, le terme même d'Anthropocène a suscité toute une série de débats. Des contre-propositions ont été faites, notamment au lieu de parler de l'Anthropocène, on parlera du Capitalocène, du Technocène, de l'Anglocène, du Stoulocène même. Et c'est ce qui nous intéressera durant cette conférence-là. Ensuite, les rapports entre nature et histoire. On voit bien que l'histoire des sociétés humaines rentre en contact, c'est le moins qu'on puisse dire, avec les histoires de la nature et l'histoire de la planète Terre en général. Et puis les deux dernières conférences seront consacrées d'une part à la question politique que soulève l'Anthropocène. Qu'en est-il de la politique une fois que les êtres humains ont pris en quelque sorte possession de leurs environnements naturels. Et puis enfin, une question qui relèvera quasiment de la science-fiction, de la philosophie-fiction, où on tentera de savoir ce qu'il adviendra une fois l'âge des humains révolu, qu'adviendra-t-il de l'humanité, de son habitat terrestre et des autres vivants, une fois l'âge des humains révolu. Et le fil conducteur de ce cycle de conférences sera l'idée selon laquelle, effectivement, l'Anthropocène marque à la fois l'âge de la toute-puissance des humains, mais aussi de leur plus extrême vulnérabilité. Voilà, je me réjouis de vous retrouver dès le mois de janvier 2024 pour ce cycle de conférences.